Eh bien, salut tout le monde, c'est Raito et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite des épisodes sur Bastion. J'espère que vous allez tous bien, en tout cas moi ça va très bien. Alors, je vais faire un petit récapitulatif du dernier épisode. On vient bien évidemment d'avoir un nouveau un noyau, parce que d'habitude, je parcours les zones de Kaelondia, mais il y en a des zones où on peut pas vraiment trouver des noyaux pour pouvoir reconstruire complètement un peu le bastion. Mais pour le dernier épisode, on n'a pas seulement trouvé qu'un noyau, mais on a aussi retrouvé une chanteuse, plutôt une survivante de la calamité. Pour une fois qu'il y a une survivante, quoi. Allez, on va lui parler parce qu'on dirait qu'on a quelque chose Most of the Ur never got a taste à of Ceylandia's fine goods. Unless they were born and raised in the city like Zia here. Ouais, sure, pas mal the world's d'objets. all gone to pieces farther than the eye can see. But leave it to this gal to point out the amazing view. D'accord, Girl bah tried to run away from home one time. But the marshals stopped that, didn't they? D'accord, alors elle voulait rentrer chez elle, mais les marshals l'ont empêché. Journal en cuir. Par la Zia du journal de son campement, l'écriture traditionnelle des Uras. Ah oui, c'est une survivante d'une zone qui s'appelle l'Uras, parce que, si je me souviens bien, Zulf aussi vient d'une région Uras, une région Ura de Kaelondia. So many secrets in there, and she can't even read it. Her father's own journal. Alors, c'est le journal de son père, à ce qui paraît. He ain't all that shy. Elle n'est pas si timide. Ouais, c'est bon, il a tout dit. Alors, on va parler à Zulf. A scientific journal written in Zulf's native tongue. He learned so much from it. Too much. Ouais, mais il nous explique rien de ce qu'il a appris dans le livre. On va savoir si le vieil homme, le If narrateur. only I'd known half the secrets of the Calamity were tucked away in that book, I'd have worked to translate it right away. Ouais. Du coup, on va placer le noyau dans le monument. Kid surprised when I tell him there's only one core left. I shouldn't have believed it either. Il reste un dernier. Alors, le mémorial. Je me souviens pas à quoi ça sert en fait. C'est un terminal. The memorial. Here, kid can pay respect to the old world and earn it in kind. Ok, récompense 1000, progression 6. Vaincre les créatures touchées par la calamité, vaincre le nombre requis d'espèces de bêtes différentes. Alors il faudrait battre 15 espèces différentes des monstres, des créatures touchées par la calamité. Du coup, moi j'en ai eu que 6, et il me reste encore 9 à abattre. On dirait que peu, comment dire, c'est comme une sorte d'artwork. Tu dirais qu'on pose de V et on utilise continuer tout de même. The valediction, just another one of my sketches, nothing ah, more. D'accord. Ah, je l'ai débloqué. On peut pas le voir en gros plan, non? On peut pas zoomer, c'est bizarre. C'est pas grave. Words can't express what happened, but they're all I got. D'accord, on va voir le temple peut-être qu'on a débloqué un nouveau dieu. Non, c'est toujours le même. Ouais, ce qui paraît. Alors, on va se diriger vers notre arsenal. Répétit croc, je le laisse toujours. Le marteau. Le mosquée à ferraille. Ouais, le marteau, il est toujours un objet un peu primordial, un peu pour les combats rapprochés. Du coup, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais... changer un peu mes objets. S'il y a un meilleur objet à utiliser, pour l'instant, non. Squirt cider will toughen you right up. Too bad about the musty aftertaste. C'est par la forge. Alors, arc des éclaireurs. Non, pas vraiment ça. Machette de guerre. Pas vraiment. On peut pas utiliser ça. D'accord. D'accord. Du coup, faudrait que j'achète un objet. Pour faire des améliorations, mosquée à ferraille, machette de guerre. À ce qui paraît, je crois que j'ai boosté le répétit croc et la hache. Ou bien le marteau maximum. Je ne sais pas trop. Attendez, je vais voir ça.
Non, pas vraiment. Il me reste encore des objets à récupérer pour le marteau. Mais bon, tant pis, on va Kid packs a special améliorer surprise in every l'arc. one of those arrows. Et une pointe nautique trempée dans la croûte de blizzard. Hein? Ok. Du coup, cette sorte d'habilité qu'on débloque est en train de faire des dégâts en continu pour les boozers. Alors du coup, on va se diriger sans We plus track the attendre. final core beyond the city to the wilds. On a localisé le dernier noyau. Alors là, on n'est pas loin de la fin, ce qui paraît. Le dernier noyau, et comme ça, on va reconstruire le bastion. Et peut-être bien se préparer pour the la... Wild unknown. Place can eat a man alive. Place is so raw, even the calamity couldn't cook it. Not all of it. L'orée sauvage. No, what's better than having a sling a pistol in a fight? Oh, des pistolets de duel. Des pistolets de duel. C'est sympa, ça. Savage things lurking at every turn. Pin cushions ain't the worst of it either. Donc ils font quand même assez mal. Ça marche. Aïe 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 putain. Ah, je l'ai tué, j'ai même pas vu ces créatures qui me lancent un pied des piques. Dégage. Didn't expect the kid so soon. Kid learns the hard way not to touch those things. They shouldn't have let their guard down. Bah le voilà le dernier noyau. Getting that core was one thing. Getting out's gonna be another. Ah, he takes voilà. his way out of the clearing, but the wilds won't let him go without a fight. All too easy to lose one's way out in the wilds. Que je sais pas. J'adore la narration. Ça connaissait bien avec l'ambiance. All flowers survived the calamity. It toughened them up. Wow, cet endroit il est magnifique. C'est magique ce que je suis en train de regarder en ce moment. Un gros bravo un peu au Cara Design et le comment dire ceux qui ont fait un peu le design des maps parce que vraiment c'est du grand art en tout cas. Pas détruire ce truc. C'est de la musique assez western en tout cas. Ceci de caméra, ça tourne un peu de partout. Kiss faster than a slinger with those guns. Voilà, j'ai eu. De la cargaison. A handful of windbag shipments made ah, it out this far. Kid seen the last of them. Je sais pas trop, mais la plupart des armes secondaires que j'ai en possession et sont plus orientées pour les attaques à distance. Et ce principal, les armes principales que je peux. By now, kid's got more needles in him than a stab weed. Good thing pin cushions can't see where they're shooting. J'aime bien un peu les remarques du narrateur. Ça fait un peu comment dire, c'est comme si on est en train de faire ça en temps réel quoi. C'est comme si du live en quelque sorte. C'est comme si ça faisait pas vraiment partie du scénario ce qu'il dit, c'est juste que ça réagit en même temps que ce qu'on fait.
Alors du coup, ça fait un effet assez particulier. Je reste avec... Ah oui, l'arc de l'éclaireur. Déjà, je vais choisir... comment ça s'appelle? Terre d'encens. Une technique secrète voilà. Ok, ça marche. On va l'utiliser. Kid's roused up half the wild by now. Then Kid gets the feeling he's being watched. Not by me, by a lunkhead. And lunkheads ain't fond of two-legged animals. Vas-y, merde! Voilà. C'est quoi ces gorgonouilles? Oh là là! Ah là là! Ah, je viens de gaspiller cette... Voilà, c'est génial! Hardly any signs of the old Jocelyn camp. On peut pas l'utiliser alors? Ah, encore... Ouf! The wilds already reclaimed this place. Ah bah disons, j'en ai ramassé pas mal d'objets. He's anxious to get back. Voilà, on va revenir. After all, he's got the final core. His journey's over, right? Well, no, it ain't. Not by a long shot. Ah bah, je sais pas trop. On vient d'acquérir le dernier noyau, alors ce qui paraît, c'est la fin de... Kid knows something's up, notre long périple. Warm welcome. See, Zulf and I were just wrapping up a heated discussion. Zulf can barely muster the words. The calamity failed, he says. But I will not. And with that, Zulf leaves us here. Alone. Qu'est-ce qui lui arrive? Il a perdu la tête ou quoi? When Zulf got through reading that journal, he just snapped. Started smashing up the monument till I tried to stop him. D'accord. Parle de l'altération avec Zulf. Es-tu blessé? Qu'est-ce qui s'est-il passé là? Zulf cursed the city. Cursed the bastion. Cursed me. Said he was going home. Putain, on a eu droit à un coup de traître. Zulf banged up the monument pretty bad. But there's a way to put it back together. Ah. The shards. We're gonna need all of them to nurse the bastion back to health. Des fissures. Donc, du coup, on va devoir tout refaire. Enfin les amis, je crois que je vais arrêter un peu sur ce passage. En tout cas, j'espère que vous avez bien apprécié cet épisode, bien qu'il soit un petit peu court. Mais bon, comme ça... En quelque sorte, je vous laisse mieux suivre le prochain épisode qui sera certainement, je sais pas, ce sera certainement avant la fin, avant le dernier épisode, parce que là, on est de plus en plus proche de la fin. On peut dire que le bastion s'est fait complètement détruit. Je sais pas, c'était un coup de traître de la part de Zulf, mais bon, on va devoir ramasser les fissures et refaire un peu le monument pour faire le dernier... Le dernier objet qu'il faudrait le remettre un peu en place, le dernier noyau. Voilà, ce sera tout. Voilà, merci tout le monde d'avoir suivi et à très bientôt pour un prochain épisode. Allez, ciao ciao.